En situation de crise, la gestion d'un site de personnes déplacées internes est complexe. La pression et les responsabilités sont importantes. Et souvent, les personnes qui travaillent sur les interventions vitales ont des ressources limitées et une charge de travail conséquente. Indépendamment de ces défis, les personnes déplacées, qu'elles aient trouvé refuge dans leur propre pays ou qu'elles aient traversé une frontière, doivent voir leurs droits et leurs besoins respectés d'une manière à préserver leur dignité. Les normes minimales pour la gestion des camps indiquent clairement comment procéder. Conformément à ces directives, la direction du site dialoguera avec la population de manière transparente et responsable, et se coordonnera efficacement avec tous les acteurs impliqués dans une réponse. Des indicateurs clés aident les responsables de sites à mesurer la qualité de leur travail. Les gens peuvent chercher refuge dans un large éventail de sites temporaires. Mais quel que soit le contexte, les normes minimales pour la gestion des camps sont là pour aider à permettre, partout, un meilleur épanouissement des personnes déplacées.